gens et échanger. Et donc on était 5, 6, 7 au pied de la Sainte-Victoire, dans un camp de base aussi, mais qui n'existait pas encore. Et on se disait, mais on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Fred avait créé des magnifiques boîtes 25 ans avant. Et puis tous les grands patrons du CAC 40 avec lesquels il parlait disaient, mais on ne le dit pas, mais on va dans le mur, on a des shadow cabinets, on ne sait plus comment se former, nos campus corporate, ils n'ont plus de sens. Et puis d'ailleurs, le sens, c'est bien ce qu'on cherche. Et puis en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'associatif, en tant que chef d'entreprise, salarié, on ne peut pas continuer comme ça parce que on fait tous la même réflexion, c'est-à-dire que quand on était gamin, on se disait ça va être mieux, et puis là, nos gamins, on a assez, on se dit, mais waouh, putain, mais on va dans le mur et on y va de plus en plus rapidement. Et on se dit, on doit faire quelque chose, et si jamais on ne fait pas ce quelque chose, qu'est-ce qui irait plus mal? On se dit, il faut un lieu, encore plus au moment du numérique. Il y a des choses incroyables, ce que vous faites là, dans l'organisation, c'est... Ça nous touche parce que c'est cet échange, c'est d'apporter des idées, s'inspirer. Je prends, je donne. Mais on s'est dit pour ça, il faut un lieu. Il faut un lieu où tous les gens qui partagent nos valeurs, nos envies pour un monde humain et durable. Au début, on disait plus humain et plus durable. Et puis on s'est dit, putain, mais est-ce qu'il est durable et humain déjà ce monde? Non. Donc c'est pour un monde durable et humain. Ben, qu'ils sachent qu'il y ait ce lieu-là. Et à partir du moment où ils ont ces valeurs-là, ces envies-là, ben les portes seront grandes ouvertes. On s'est donné, j'allais dire, corps et âme pendant 3 ans pour rendre le lieu possible. Et après, pour ceux qui étaient là à l'inauguration, on a dit, ben, ce lieu-là, il saura ce que vous en ferez. À partir du moment où vous venez avec cette envie-là, cette envie de rencontre, d'inspiration, mais de faire surtout. Parce que voilà, l'inspiration, vous allez sur des têtes, waouh, vous sentez, ce gars, il est génial. Et puis le lendemain, comme quand vous allez dans une grande formation, dans votre entreprise, association, informations, le cas est super, mais après, what else, quoi, vous retombez dans le... Mais là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse expérimenter. Alors là, et au niveau international, parce qu'on a la tête dans les étoiles, avec des gens qui viennent évidemment de la région, de la France, du monde entier, que ce soit les experts, les passeurs, ou les gens qui vont venir sur le camp, mais les pieds ancrés sur le territoire. Je crois qu'il y a Marseille Solutions, il y a des choses qui doivent se faire sur le territoire, parce que l'ancrage est fondamental. C'est pour ça que j'ai l'accent. Fred m'a dit bien, parce que c'était le seul à avoir l'accent. Donc, voilà. Mais, et évidemment, la tête dans les étoiles. Et ces deux-là, les étoiles ou dans la mer avec le challenge sur les océans. Donc c'est s'inspirer, faire pour se transformer. Et c'est ce qu'on fait sur The Camp. C'est ce qu'on fait sur The Camp à partir du mois de novembre. Il y a les passes. Il y a quelques passeurs là qui peuvent en parler mieux que moi. C'est évidemment dans des groupes à taille humaine. Et le campus, on l'a imaginé à taille humaine. C'est-à-dire que voilà, vous êtes dans l'amphi, là, on peut rentrer à 150. Quand vous tournez la tête, vous voyez tous les gens qu'il y a, ce qui se passe, qui vous avez envie de rencontrer, avec qui vous avez envie de faire du sport, voilà, pour qu'il se passe quelque chose entre nous et pour que vous ayez envie de revenir, faire des choses, venir les expliquer et après les diffuser. Voilà, l'étincelle et après l'action.